Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est parti pour un petit épisode sur une agriculture biologique. Et donc du coup aujourd'hui on va y parler d'eau fumière ou... Donc en fait on fait là où je me suis arrêté hors ligne tout simplement. Chris je crois qu'il n'a pas fini, il doit rester un champ. Donc on va finir d'y pendre dans le 10. Le 11 j'ai dû le faire. Après on va se remettre gentiment la charrue. Alors j'ai un souci. Un petit souci. C'est le volant qui prend le contrôle sur le clavier souris. Ça va aller. Du coup, j'avais déjà commencé toute logistitude. J'ai déjà commencé, mais je pense que j'ai foutu. C'est dégueulasse mon bordel. Là. Alors, Chris a labouré d'une autre façon que moi. Et en fin de compte, oui, il a raison. C'est des grandes longueurs, elles sont là. Il a raison. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours labouré en traverse dans celui-là. Pourquoi pas. Peu importe. C'est pas grave. Du coup, ce soir, on se retrouve pour du snow. Avec Chris et Maki, on va découvrir la phase 5. Et du coup, j'ai eu quelques échos dessus. Disons que ça, apparemment, ça mériterait un patch. Donc, c'est Dom qui me l'a dit. Parce que lui, il l'a fini déjà. Mais apparemment, ça mériterait un patch. Mais c'est jouable. C'est pas comme si c'était full bugué. Mais bon, on verra bien ça ce soir. Ce que ça donnera. Et on n'est pas que la moitié, le con. Terrible. Et bon, je suis pas trop inquiet si c'est jouable, sinon ça va passer. Il y a un peu de boulot à faire et puis voilà. Un petit peu. Alors, il m'a dit quoi? Il m'a dit 2 jours tout seul. Bon, je connais Dom aussi, 2 jours tout seul. Il a joué combien de temps aussi? 15 heures par jour. Peut-être. Donc on verra. Non, mais après, j'ai déjà dit, je suis pas pressé de finir le jeu. Donc j'ai tout mon temps. Donc du coup, bah voilà, cette semaine, donc farming aujourd'hui, ce soir, snow, demain, je n'ai pas décidé. Qu'est-ce que j'ai prévu demain? Ah si, du power wash demain, elle est déjà tournée. Mercredi, du bus simulator. Mercredi soir, on fait du car mécanique simulator, parce que j'ai pas pu le faire samedi. Pas pu le faire samedi à cause de Chris, et en plus de ça, il était pas là. Donc comme ça, au Batao. Il a fait de la merde, mais 2 fois de suite en plus. Et puis après, jeudi, il y aura découvert de Gas Station Simulator s'il sort bien dans le début d'après-midi, parce que s'il sort à 19h, bah, c'est foutu pour moi. S'il est foutu pour moi, je ferai autre chose, c'est pas grave. Donc là, pour l'instant, j'ai pas de vidéo de prêt. Vendredi, c'est du Car Mécanique Simulator. Et puis samedi du lawn moving et dimanche du snow. Et du coup vendredi on fera le dernier live sur cette map là. Il n'a pas ouvert la porte lui. Fermez les yeux. Alors attendez, je vais me mettre en. Hop. Alors j'ai jamais découvert encore celui-là, puis le peu d'heures qu'il a fait, c'est Chris qui a fait. Je sais plus ce que je disais, ça y est, j'ai perdu ce que je voulais dire. Alors attendez, je vais juste déplier mon boxon. Hein. Mais non, du con. Voilà, merci. On va essayer de commencer depuis l'autre côté. Je crois qu'on a un tracteur qui est suffisamment puissant pour ça. Ah mais ça va être chiant avec mon histoire d'ICI là. Ah, ça devra aller. Ok. Hop. Donc on fera le dernier live sur cette map là vendredi. Je bouclerai la série lundi et on se relance sur la nouvelle vendredi prochain en live. Et du coup, comme j'ai dit, ce sera la série finale de ce FS19. Ce qui reste, il restera 2 mois tout pile. Et du coup, bah voilà. Alors je suis déjà pendu, ça commence bien. Alors normalement ça se fait pas trop que les clashs à eux, mais je sais pas ce qui m'a bloqué là. C'est bizarre quand même que ce soit une branche. On a dit il en chie, oui, c'est ce que Chris m'avait dit, mais en effet. Galère le pauvre Fen. Le pauvre. Donc voilà. On verra bien.
Mais nouvelle série, donc pour ceux qui s'interrogeraient, c'est Ellerbach, une map qu'on a déjà fait mais qui n'était pas finie à l'époque. Et du coup on va jouer en mode normal. Je sais pas si on mettra le mode précision, de toute façon j'ai encore le temps de le décider avec les autres. Je ne sais pas si on mettra le mode de précision, mais en tout cas on ne mettra pas le mode saison. Ça c'est sûr, parce que vous avez pu voir vendredi quand on jouait en multi que on a des chutes de FPS avec le mode saison. Et quand tu mets trop de mode, bah c'est plus des chutes de FPS que t'as, c'est que le jeu plante tout entier. Donc du coup voilà. Là, je sais pas trop comment je vais m'organiser pour me retourner. Je suis pas habitué moi à avoir des gros outils comme ça. J'ai monté les petits outils. J'ai un petit zizi moi. Hein. J'ai un petit zizi, petits outils. C'est bien les grosses charrues, t'en emmènes large, mais le problème c'est qu'il te faut un hectare pour retourner. Au moins un hectare. Ah! Oups, ça putain, on en chie. Faut quand même pas mettre le blocage pour la bourrée là. Et il faudrait. C'est terrible. C'est terrible. Oh, c'est juste, oui, en effet. On va peut-être mettre les pneus larges, peut-être. Enfin, faudrait que je regarde ça. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire monter à 40 heures celui-là, mais. Ah, j'arrête exprès, hein. C'est vrai que j'ai pas fini. Alors, pas réellement fini cette série-là, du coup. Parce qu'on a encore pas mal de boulot, pas mal de champs, pas mal de choses à faire. Mais voilà, comme je l'ai dit, il reste 2 mois, jour pour jour. Il restera 2 mois, jour pour jour, si on veut faire quelque chose en hard, en difficile, vaut mieux qu'on commence maintenant. Plutôt que de poursuivre celle-là, arriver à 3 semaines, 1 mois du prochain farming et se dire que lancer une série juste pour 3 semaines, ça vaut pas le coup quoi. Je vais essayer de mettre le blocage pour voir. Normalement le blocage tu perds un peu de chevaux, mais t'es censé quand même mieux tenir la route. Et ça a l'air pas plus mal parce que putain c'est terrible. Ah j'ai essayé, j'ai renforcé le jaune d'air, bah tant pis. Il les gardera, ça l'occupera. Ça l'occupera. Ben c'est limite limite hein. J'aurais peut-être dû acheter le cas en fin de compte. C'est quoi c'est fait hein. Je garde celui-là. Hop. Ah je fais pas le contrôle I parce qu'à chaque fois je suis perdu. Et du coup j'ai mon temps à faire l'une après l'autre. C'est pour ça que je mets un peu de temps quand même en bouchant. Mais bon. Il faut ouvrir, c'est pas grave. Donc oui, cette histoire de samedi, il devait y avoir du Car Mechanic Simulator, il y a eu du Bus Simulator. Alors en fait, vous avez dit vendredi, pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live, j'avais dit vendredi, demain on fait du Car Mechanic Simulator. Et... si toutefois il y a crise, c'est selon le jeu, on fera peut-être du Bus Simulator. J'ai dit, s'il ne me prévient pas l'après-midi, je ferai Car Mechanic Simulator. Donc il m'a pas prévenu, enfin il m'a rien dit du tout. En fait, il m'a envoyé un message, j'étais en train de traire, donc j'ai dit, écoute, c'est trop tard, tant pis. Et en fait, allez, peut-être 10 minutes avant de lancer le live, enfin il était lancé 10 minutes avant de vraiment lancer le jeu. Alors Chris m'avait reprévenu qu'il était là du coup hein, et je me dis ah je ferais quand même du Bus Simulator machin. Bon, je dis allez vas-y, et je vais changer pendant l'intro quoi, pendant le live. Donc j'ai fait ça et en fait allez à deux minutes de changer de scène pour commencer, Chris m'envoie un message en me disant ah ben ça tombe bien que tu passes du Car Mechanic Simulator parce que je suis pas là. Sauf que nous on avait rechangé, alors j'avais changé en plein live. Parce que justement il devait être là et parce que je voulais faire du Bus Simulator. Donc du coup, bah, en fin de compte, je me suis fait brainer 2 fois en plus. Et Mongolien était content. Il était content. Oh, c'était une bonne soirée quand même, on a bien rigolé avec le jeu. C'était bien ça un peu. Mais du coup, il m'a tout embrouillé, le con. Parce qu'il me disait, je suis. Alors il m'a prévenu trop tard, puis il devait être là, puis finalement il était pas là, t'en finis jamais. C'est Chris quoi, pire qu'une femme. Incroyable. Quoi? Pourquoi tu fais cette tête, Justine? Oh, bah si, c'est pire qu'une femme. Là. Non. Il sait pas ce qu'il veut. C'est pas au dernier moment qu'il a été embrigadé. Il a dit oui, donc c'est qu'il y est allé.
en fin de compte. Oui, c'est Chris. Bah, Chris, c'est une femme. Une vraie femelle. Une vraie femelle, mais avec des couilles. Une vraie femelle avec des couilles. Ici. Bah, normalement, si. Je peux aller vérifier, mais. Peut-être. Alors, peut-être. Alors. Voilà, c'est ça. Du coup, on en emmène plus large, mais on avance moins vite. Donc, ce qui fait que même si on n'est pas le meilleur temps qu'avec la petite, en fin de compte. Je me le demande. Oh, pas si loin, Maurice. Hop, et hop. Ouais, je sais pas trop ce qui va le mieux, quand même. Après, il aurait fallu que je mette la toute grosse devant, mais ça, c'est une 3. Je crois que la plus grosse, ça doit être une 4. Ouais, tu gagnes pas grand-chose, mais bon. Mais là, j'avais pas assez de puissance, donc c'était trop chaud. Et du coup, on est à 158 000 boules. Donc là, on a un investissement, vu que c'est censé être la dernière année et qu'on terminera sur un live d'ensilage. Enfin, non. Vendredi, il y aura un live d'ensilage, mais on terminera sur le bilan de la série. Je sais pas ce que je vais bouffer. Pour l'argent, je sais pas ce que je vais acheter pour les bouffer. Je vais peut-être acheter des terrains histoire d'eux. Mais voilà. J'ai pas grand chose de plus à racheter. Et du coup, si j'avais continué, j'aurais. Donc, du coup, j'ai celui-là. J'aurais racheté des terrains, je pense. Il fallait vendre des animaux parce que les cochons, ils se reproduisent à une vitesse, c'est terrible. Et après, en vraiment en gros tracteur, où j'aurais pas racheté plus gros après, j'aurais pris le casque, vous savez, le CVXTR3, là, celui qui fait le bruit en changeant la vitesse. Le bruit des gammes. Bah, elle s'est redressée, la conne devant, non? Quoi? Mais c'est pas. Ah non, j'ai cru que c'était redressé. Mais bon. Et je pense que je regardais comme ça. J'aurais probablement gardé tous ceux que j'avais là. Et j'aurais racheté l'autre pour faire un gros tracteur de tête ou argenté autrement du gendarme, mais il sert quand même. Et puis bon, comme on repartait tranquillement en multi, c'est mieux d'avoir un peu de. Deux ou trois tagazous qui vont dans les champs. Parce qu'autrement, bah voilà, il y en a un qui fout rien pendant qu'on est en live, donc c'est vrai que c'est pas mieux. Je pense que j'aurais fait comme ça, puis après, bah voilà, j'aurais acheté les terrains, et puis on allait arriver en fin de compte au bout, hein, au bout d'un moment. On a pu rajouter le soja dans les cultures, tournesol, et puis racheter les terrains, puis après on était au bout. Ça fait quand même, ça fera 69 épisodes en tout, j'ai dit. Donc ça fera déjà pas mal. Déjà une grande série. Je pense que c'est déjà plutôt tout ça un peu. On aura déjà pas mal bossé. Et du coup, on avance pas bien vite. On a le vide. On avance pas bien vite. Alors je me tape à faire des. À redresser mon virage après. Alors c'est pas de ma faute, c'est le champ qui est comme ça, mais je me tape à redresser les virages en arrivant au bout. Hop, hop, et hop et hop. Dans l'autre sens. Comme des sacrés outils. Hein. Hop. Toujours perdu avec ce bordel. Incroyable. Et du coup voilà, donc on terminera sur l'herbage pour une série normale. Avec ou sans le mode précision, on verra. En hard, je pense. Et puis en termes de mode, pas grand chose de plus à avoir. Les petits tracteurs, on a ce qu'il faut. Oh, je réclame certainement des modes en moyen de tracteur parce que l'on s'occupera pas vraiment si la porte s'ouvre ou pas. Et puis en gros, on verra ce qu'on en sera dans la série, mais pas énormément de modes parce que, comme d'habitude, vous savez ce que ça fait en multi. Hein. Et puis voilà, je ne sais pas si on essaie pas d'avoir toutes les fermes ou si on se base que sur une ou autre. J'ai une idée de laquelle prendre, c'est la pas trop changée. Et puis je réfléchis, mais je ne me rappelle plus exactement comment la map est. Et puis je ne sais pas si elle a changé depuis. Donc on verra bien. On verra bien. Alors je vais essayer de reculer. Et de rattraper ma connerie là.
rattraper ma connerie qui n'est pas la mienne. Hop. Oh les casse-couilles. Le gars, ça va se réveiller. Allez, je suis en point tiré, c'est chiant. Il faut du temps de taper des marches arrière tout ça pour faire des recoins à la con. Hop. On est voir à l'intérieur de ce zinzin. Un peu comme celui d'origine, je pense. Enfin, je pense. Colle est bien beau. Moi j'aime ce. J'aime ça. Après les fins, moi j'ai préféré en vert. C'est Chris qui a voulu les prendre en noir. J'aime bien en noir aussi, mais c'est vrai qu'en vert, bah, comme c'est la couleur d'origine, j'aime bien ça. J'aime ce. Le noir, je le trouve vraiment beaucoup plus salissant que le vert. Hop. Qu'est-ce qui me fait, Maurice? Voilà, recule. Recule, comment veux-tu? Je t'entube. Du coup. Oh, je pense encore 2-3 fois comme ça et on devrait être bon. Hop, hop. C'est reparti mon kiki. À combien qu'on est? On a 16 minutes. J'ai pas grand chose de plus à dire aujourd'hui. En tout cas, rien de, bien mirobolant. Taille mon bordel cette semaine et puis je dois bien tâcher de commencer de du bois. Alors apparemment il devrait y avoir de la pluie cette semaine, enfin c'est mitigé. Il y a un nuage, de la pluie, du soleil, un peu tout ce que tu veux. Du coup je vais pouvoir planter des piquets parce que là, bon, je le fais, hein, il faut une baramine, mais en ce moment pour planter des piquets c'est du sport. Hein. C'est du sport. Donc merde, je voudrais bien qu'il flotte un peu quand même, qu'on puisse en piquer des piquets. On dirait pas comme ça, il y a eu de l'eau cet été, mais avec la bise et tout, enfin tout a séché, et finalement c'est dur comme du chien. Et même en mettant la baramine, tu la remontes, elle est pas humide, quoi. Donc ça a séché sur une sacrée couche. Et c'est sec assez profond, ça je m'attendais pas. Au mois de septembre... les années précédentes, on avait plutôt droit à juin, juillet, août, c'était horrible. Quoique l'année où on a donné de l'ensilage à la main, nous, même en septembre, hein, jusqu'à mi-septembre, il y avait ce temps de mort. Et là, du coup, il y a eu une grosse vague de pluie, et derrière, il y a eu deux fois trois jours de bise, plus le chaud. Et là, depuis, bah, nous, on a pris 15 gouttes, donc du coup, c'est un peu tout sec. Pour planter des piquets, c'est un peu le bordel. Mais bon. Du coup, on a désherbé pour pouvoir mettre ce couvert parce que je crois du coup on est en retard. On n'a pas pu désherber avant avec le vent. J'aime autant qu'on soit en retard plutôt que d'arroser le champ du voisin. Et là, je vais avoir de la charrue à faire. Alors, mon père va faire de la charrue. Je vais le laisser au tagazou. Moi, je veux bien faire le restant de la charrue combinée. Du coup, le couvert végétal, puis après, recharrue pour l'orge, recharrue pour le blé, enfin pas tout de suite, faut récolter le maïs avant. Le recharrue pour l'orge, commencer à labourer l'ancien riz gras pour le blé. Et puis, je sais pas si on remet du triticale cette année. Donc, peut-être du triticale, donc j'ai encore 2,5 hectares à labourer pour le triticale. Donc ouais, il va commencer à rentrer dans les périodes de semis. Même si on a déjà commencé, enfin en tout cas le colza ça fait un moment que c'est fait déjà, mais il y en a qui vont pas tarder. Et puis il va y avoir l'ensilage, parce que c'est vrai que l'année dernière ça s'était fait entre le 26 et le 30 août il me semble. Là cette année chez ceux chez qui mon père il va les aider, bah, ils ont encore pas ensilé, donc enfin, il a été semé plus tard et puis je suis pas allé voir leur maïs, mais le machin il doit être plus grand que les tabazous, ça doit être encore un machin qui va être énorme. Donc il va encore y avoir ça en cours de route. On en mange je pense encore un et après ce sera bon. Et du coup ben, on va stopper là pour aujourd'hui messieurs dames. On va se retrouver ce soir pour du snowrunner. Et du coup pour la découverte de cette phase 5. Moi je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi ou une bonne soirée si vous avez une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.